to your favorite modern world. Bonjour tout le monde. Ce n'est pas parce que je ne suis pas allé les écouter au Noumatrouf à Mulhouse que j'allais faire l'impasse sur Meanwhile du groupe Clone. De toute manière, j'ai déjà écouté en live, à la Laiterie ainsi qu'à la Maison Bleue à Strasbourg, nos amis français qui signent aujourd'hui chez Cascope. Alors, comment décrire Clone à une personne qui ne les connaîtrait pas encore ? Il s'agit d'une formation de métal alternative née en 1995 et qui, depuis Here Comes the Sun en 2015, a pris un virage plus mélodique, laissant derrière eux le growl. Meanwhile, sorti cette année, est le digne successeur du Grand Voyage. Des morceaux de 4 à 6 minutes pour un peu moins d'une heure, sur lesquels s'invite beaucoup le saxophone. Un album à guitare, dominé par le chant de Yann, une voix qui prend aux tripes, tout particulièrement en live. Ceci dit, cette voix est également le talon d'Achille du groupe, car Yann module assez peu ses cordes vocales. En gros, il fonctionne sur deux modes, mélancolique papier de verre et colérique granuleux. Cela donne à leurs albums une fausse impression d'uniformité à laquelle le dernier opus n'échappe pas. Deux morceaux se dégagent toutefois de l'ensemble, The Unknown et le titre-album Meanwhile. Peut-être parce que le saxophone de Mathieu y est plus présent. Meanwhile est un concept-album qui nous livre des réflexions sur la société actuelle, présentant les plus belles comme les pires facettes du monde dans lequel nous vivons. Il appelle même à la désobéissance. La superbe pochette signée Umut Rekberg représente un ciel tourmenté comme la musique de Clone, un nuage sombre en forme d'ours menaçant, la gueule ouverte, tout croc dehors. Leur musique a toujours un parfum Americana Western, comme dans Serenity. Un son de guitare traînant, propre aux grands espaces, cette voix assoiffée qui hurle dans le désert et une rythmique presque déconstruite par moments avec ses accélérations imprévisibles que l'on entend dans Elusive. Meanwhile passe par des périodes plus apaisées, comme dans Apnea, mais d'autres morceaux hésitent entre un couplet tranquille et un refrain tourmenté, à la manière de Night and Day. Après bien des écoutes, Meanwhile s'est enfin révélé. Car il est vrai que son écoute n'est pas des plus immédiates, et j'ai tendance à m'y égarer un peu. C'est finalement Elusive qui s'est détaché. Un titre à l'écriture particulièrement original lorsque l'on sait prendre le temps de l'écouter, avec, entre autres, son introduction au saxophone. Alors, va-t-il rentrer dans mon top 2023 ? Il est trop tôt pour l'affirmer. Ce qui est certain, c'est qu'il mérite la découverte. En plus, il est sur Bandcamp. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, écoutez de la musique. Bisous !